Good morning. Allez, Iden et Sutra aujourd'hui, le Nishmat Richard Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal, Dani Myriam, Bat Élisée, Sayak. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le Sacre Minute Éternelle. Nous étudions Maasechet Yoma, Perekia Mishnah Vav, Hiza Alta, Rosh al Mizbech, Sheva Pamim, Ushira Adam Ayashofer Chalesod Maravi, Shal Mizbech Ritzon, Shal Mizbech Ritzon Ayashofer Chalesod Adderumi. Elo Velo Mitarvin Ba'ama, Veyotzin Enachal Kidron, Venim Kermel Gananim Lazebel. Mishnah qui vient conclure l'aspersion du sang du par et saïr. Je reprends une très courte révision. Depuis le moment où le Kohen Gadol a commencé à mettre les billes de la vanne, il a fait le vidouille du par, il a fait le tirage au sort des deux seirim, il a fait le deuxième vidouille du par, il a gorgé le par, il a donné le sang à quelqu'un, il a pris les braises et l'encens, il a fait entrer les braises et l'encens dans le Kodesh Kodashim pour faire monter la fumée. Il est sorti, il a récupéré le sang du par, il a aspergé. Il a fait la shrita du saïr, il a aspergé le sang du saïr à l'intérieur du Kodesh Kodashim. Il a fini avec les aspersions du Kodesh Kodashim. Il a aspergé le sang du par et du saïr à tour de rôle face à la parochet au rideau. Après, il a mélangé les deux sangs ensemble. Il a commencé à l'asperger sur le Mizbeach Azahav. C'était la mishnah précédente. On a vu deux manières de l'asperger, deux avis. Et ce qu'il fallait en fait donner depuis sa place ou faire le tour du Mizbeach Azahav. Une fois qu'il a fini de donner le sang, des gouttes de sang, sur les quatre coins du Mizbeach Azahav, alors maintenant la Mishnah commence en me disant cette fois-ci, Isa al Taharo Shel Mizbeach. Il va à présent asperger sur le Taharo Shel Mizbeach. Comment traduire ce mot Taharo? Franchement, je ne sais pas comment le traduire. Sur la pureté du Mizbeach. Ça veut dire en fait, il va pousser les. On est sur le Mizbeach Azahav, qui fait une amas sur une amas 60 cm, 60 cm selon les avis, et donc il va le vider, il va lui faire une petite place pure, propre, c'est ça dans le sens de Taharo, il va le nettoyer en fait, il va pousser les cendres, de manière à ce que l'aspersion du sang qu'il va faire, ça va arriver directement sur le Mizbeach Azahav. Et il va asperger Sheva Pamim, 7 fois, avec son doigt, 1, 2, et comme ça il fait ça ainsi de suite jusqu'à 7. Et une fois qu'il va finir d'asperger le sang, ou chiaré Adam, et les restes du sang maintenant qu'il lui reste, il avait un clé avec un ustensile avec dedans, il avait maintenant mélangé le sang du par et du saïr, du taureau et du saïr, du bouc, il les a mélangés. Maintenant, ce qui lui reste dans le sang, une fois qu'il a fini toutes les aspersions, en fait, il y en avait 8, donc ça fait déjà 8 fois 4, 32. Les 4 coins, on a monté à 36. Il a rajouté au 7, il est monté à 43. Après, il a fini les 43 aspersions. Alors, la Mishnah me dit, Ushiyare Adam et les restes de sang, aya chofer al yesod ma'aravi shel mizbeach achitson. Sur le yesod, sur le socle, ma'aravi ouest, sur le socle ouest, sur la face ouest, shel mizbeach achitson, du mizbeach achitson, cette fois-ci du mizbeach, du grand mizbeach, le mizbeach haola qui était dans la cour du. Dans le chaser. Veshel Mizbeach Haritzon, tandis que les restes de sang qu'il avait lorsqu'il faisait dans le Mizbeach Haritzon, dans le grand Mizbeach, d'ailleurs, Shefer Chalisod de Romi, il les versait sur le socle dans la partie sud. Et j'explique, c'est pas compliqué. On va maintenant, on n'est plus dans le Echal. On quitte le Echal, on a devant nous le grand Mizbeach. Le grand Mizbeach Haola, qui fait 10 amas de hauteur, 5 mètres. 6 mètres, selon les avis. Il y a là-bas le grand kevesh, la grande rampe pour monter. Les kohanim montent dessus, font le tour des fois vers le khatat, pour poser dans les quatre coins du misbeach. Un truc qui nous fait 32 amas de long et de large. Si vous imaginez ce que c'est, 16 mètres sur 16 mètres, avec une hauteur de 5 mètres, plus ou moins. Même si ça monte un petit peu en escalier comme ça, mais en tout cas, c'était un gros bâtiment en terre, qui était rempli de terre. Et il était en pierre et terre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, maintenant. Les restes de sang qu'il restait une fois qu'on avait fait n'importe quelle aspersion qu'il fallait faire. Si c'était un khatat qu'il fallait donner sur les coins. Ou bien là, maintenant on a deux khatats, regardez. On va comparer, le but de la Mishnah, c'est de comparer en fait deux khatats. Le khatat qu'on fait sur le Mizbeach Hachitson et le khatat qu'on fait sur le Mizbeach Hapnimi. C'est-à-dire, retenez bien. Mizbeach Hachitson, le Mizbeach externe. Celui qui est dans la cour, le grand Mizbeach, on dit. Le Mizbeach Apnimi, c'est le Mizbeach en or, qui faisait une amas sur une amas, qui était à l'intérieur du Echal. Le principe, il est très simple.
Les restes de sang, on les verse sur le socle. Il y avait là-bas, je l'imagine qu'il y avait une petite gouttière qui faisait que le sang se dirigeait vers un endroit, et pour ensuite sortir, comme on va voir ensuite. Et s'écouler. Alors, de manière générale, quand tu finis une avoda, tu verses sur le socle, au socle qui est le plus proche de toi. Donc en fait, quand le Kohen Gadol il va sortir du Echal, il était dans le Echal parce qu'il avait une aspiration sur le Mizbeach Hazav, il va sortir, qu'est-ce qu'il va rencontrer face à lui, vous vous rappelez? C'est pas compliqué. Par là, on dirige vers l'ouest. Donc il ressort, il rencontre maintenant le Mizbeach avec la partie de la socle, avec la partie du socle qui est en direction de l'ouest. C'est le Yesod Ma'aravi. Le Yesod Ma'aravi. Alors que quand il est monté sur le Mizbeach Hazav pour donner du sang dans les quatre coins pour faire un Khatat Chitzona, un Khatat classique sur le Mizbeach Chitzon, il va descendre au-dessus de la rampe, il va se retourner, il va rencontrer ici le Yesod de Romi. La Mishnah me dit. Donc, Ushia Adam, les restes de sang, donc des aspersions qu'il avait fait à l'intérieur du Echal. Ayosh Ofer Chalisod Ma'aravi, chez le Mizbeach Chitzon. Il est versé sur le socle, dans la partie ouest, du Mizbeach Chitzon, du grand Mizbeach de la Ola, qui était à l'extérieur, dans la cour. Mais chez le Mizbeach Chitzon, tandis que les restes de sang, c'est en facteur en haut, les restes de sang qu'il a fait dans une des corbanotes, qu'il a fait sur le Mizbeach Chitzon, sur le Mizbeach externe de la Ola, Ayosh Ofer Chalisod de Romi, il le versait sur le Yesod de Romi, sur la partie du socle, dans la partie sud. Ok? Maintenant, la Mishnah me précise, Elou va Elou, quel que soit le sang qu'il a versé sur le Dromi, ou le sang qu'il a versé sur le Dromi, ou le sang sur le Ma'aravi, tous, Elou va Elou, Mitarvin Bama, ils vont finalement s'écouler jusqu'à rejoindre la Hama, qui était un petit ruisseau de une Hama de large, 60 cm de large, qui est passé dans le. Dans le Beth Amikdash, il se mélangeait là-bas dans cette Hama, Veyotzin le Nachal Kidron, et par son conduit, ils arrivaient à se jeter dans le Nachal Kidron, un petit fleuve qui s'appelait Nachal Kidron. Et la Mishnah précise, Venim Karim la Gananin les Evel, et on le vendait aux Gananin, aux gens qui avaient des potagers, aux agriculteurs, en guise de zével. De zével de, comment dire, de fumier, d'engrais. C'est des engrais naturels, ça aide à pousser bien plus. Et donc on leur vendait, on leur demandait une petite contribution, puisque nous, le sang des corbanotes, il avait une certaine gdoucha, même si le sang n'est pas vraiment kadosh, c'est un statut très original, qu'en réalité, il n'y a pas de meila menatora dans le sang. C'est des huiles de psukim, de tous ordres de psukim, il y a la Gemara qui rallonge longuement sur ça. Mais malgré tout, Rami ont instauré que malgré tout, on va le considérer malgré tout avec une doucha, et donc obligé, si tu veux en tirer profit, il faut le payer. Il faut racheter sa doucha. Donc aux agriculteurs, on leur demandait une contribution pour qu'ils en profitent, parce que sinon, on peut transgresser l'article de Meila de sacrilège si on va l'utiliser à des fins profanes, alors qu'on ne l'a pas payé en contrepartie pour acheter sa douche, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la tzlacha, kol tov, salam.